Un monde régi par Google, c'est pas possible. Ils n'arrivent même pas à sortir une Stadia alors. C'est pas possible. Tu crois pas. On confie toutes les clés de la maison à un ordinateur et ça se passe mal. Impossible. Ouais. Allez, Nova. Fais pas le couillon. Ah, ce bon Power Blade. Donc un Simonde. 6 ou 5, 6, je crois. Normal. C'est ça. Choper la clé, enfin, trouver mon contact qui me donnera une clé, et puis après, buter le boss qui va avec. Hein. Avec son arme du futur, le boomerang. J'adore cette démarche quand même, elle est vraiment goldée quoi. Alors, si je peux avoir des bonus pour pouvoir me permettre de tirer plus loin, voire plus souvent, ce serait cool. Aha. Ah. Quand je tire pas, ma barre d'en bas, la power, se remplit. Et en se remplissant, eh ben, plus elle est remplie, plus elle fait des dégâts et plus elle va loin. Donc c'est un peu tout le... Ah, puis là, ouais, là, elle est carrément un peu plus puissante. Hey, tu veux être Nova? Vas-y. Les musiques sont... Qu'est-ce que je suis con? Il a filé un burger. Dommage. Ah, ça c'est cool. Des dégâts sur tout l'écran, les grenades. Alors, j'ai deux types d'items que je peux utiliser, c'est les grenades et les rations. Les rations me donnent bah, évidemment toute ma vie. C'est un peu comme les tanks. Alors là, il y a la fameuse Power Blade. Bon, hop. Là, je revais mon scaphandre de combat. Je peux me faire toucher 3 fois avec. Ça m'enlève pas d'énergie de me faire toucher, mais... Oh putain. Ah.
Pardon? T'es sérieux? Ah, quand t'es en diagonale, bah tu... Pardon? Je comprends pas. Pourquoi il veut pas? Ah si. Attends, ça marche que quand t'es au bord d'une plateforme? Ah putain, d'accord. Ok. Oh merde, putain, c'est plus. Oh, quelle merde. T'as eu Pépé la trique, hein? Hein? Pardon? Oh, c'est... Là, il veut plus bouger, ok. C'est l'horreur là. Si je fais ça... Non. Ouais, c'est chelou, hein, le coup de la diagonale, là. Si t'es sur du plat, ça marche pas, mais si t'es au bord, ça marche. Mais si t'es au bord et que tu commences à partir sur le côté, t'étais un peu trop décalé, bah tu tombes dans le vide, comme un crétin. Comme ça va arriver à l'instant. Ces zik, elles sont parfaites quoi. C'est censé être le grand méchant du jeu d'ailleurs.
Lénine, là. Je sais plus. Ah, attention, ça fait mal aux yeux ici. Hein. En ce moment, c'est le mode expert. La seule différence qu'il y a, c'est qu'il y a du knockback. Ça rend le jeu impossible, c'est trop drôle. C'est vraiment la seule différence quasiment. Mais quand il te fait toucher, ça t'envoie en arrière. Et c'est juste mortel quoi. Ça sert à rien quoi. T'as même pas besoin de barre de vie quoi. Le truc, c'est que tu te fais défoncer en. Aïe. Allez. Et là, je me fais toucher. Ce truc là, les hitbox, je sais pas trop comment ça marche. Vous avez... Là, il y a un saut qui est vraiment en haut. Celui-là. Alors, qu'est-ce que c'est comme boss ici? Ah oui. Celui-là, tu sais jamais vraiment comment il réagit. Avec son petit jogging là, il était avec Marcel Jogging. Parfait. Je me sens plus si en passant par en bas, on peut pas avoir directement une... Oh. Ça vaut le coup d'avoir une ration. D'ailleurs, j'ai pas trouvé celle du niveau 2. Ah, je crois que c'était en allant tout à...
Une saloperie. Putain, ce jeu de con. Il a de... C'est un peu comme les squelettes de Castlevania, ils crèvent jamais ceux-là. Allez. Je me sens plus. Attends, je peux pas sauter là, je crois. Je peux retomber là, mais... Allez. Ah non. Calme là, les gommeux. Tidum. Ah merde! Ah mais si, je l'ai vu, putain. J'étais là, j'ai pas vu là! Bien sûr que j'ai vu le type. Je suis des squelettes qui crevaient pas, ok.
Bien sûr, tu peux les toucher que quand ça s'ouvre. Hein. Allez. Ouf. Oh. Rah, je me sens plus. Oh, quel con. Est-ce que j'aurais dû descendre ou pas? C'est trop tard là. Physique quoi, c'est la mort. Ah, je sais plus. Si je descends, je peux pas remonter là où je suis. Hein. Je pense qu'il faut redescendre. Oui, c'est ça. Oh oui. Nickel. Pardon ? Ah d'accord. Je retourne en arrière. Et je passe par la gauche là. C'est-à-dire que dès le début, si je veux, je peux en choper un et remonter, quoi. Ok. Normalement, là, je peux aller directement sauter sur la petite plateforme qui tombe. Voilà.
Ok. Et là, je vais pouvoir aller à droite. Enfin, après. Oh, c'est bien le labyrinthe chiant quand même, toujours. Vraiment, l'avantage d'avoir cette tenue là, bah, c'est qu'en fait tu tires au travers des plateformes. Les. Là où les. L'arme normale, le boomerang. Non. Donc, ouais, ces ennemis, faut être à leur hauteur pour que. Ils bougent. Très, très pratique. Oh là là, oui. Voilà. Faire très attention. Oh. Faut vraiment y aller, prendre son temps. Le pire danger, c'est vraiment de tomber, quoi. Comme ça m'est arrivé deux fois, là. Parce que... tu peux toujours récupérer de la vie, en utilisant tes rations, quoi. Si jamais t'es low, mais... quand tu tombes, quoi. Bon, alors, c'est qui? Il doit y avoir une ration par niveau, là je l'ai pas. Je pense que c'est un peu ça quoi. Non. Oh. Je vais y aller là. Non, on va dire celle d'après. Je me souviens plus. Oh merde. Oh l'enfoiré. C'est là. Ah, de toute façon, j'étais obligé. Ah, mais non. Non, on passe. Ok.
Ah. Je crois qu'il y avait quelque chose... Bah y'a rien. Ah, c'est bizarre, quand t'es sur une échelle, il faut appuyer sur gauche ou droite, enfin direction horizontale pour sauter, enfin pour tomber, mais par contre si tu vas vers le bas, non. Je crois pas que ça m'aide ça, merde. Alors je crois qu'il faut redescendre. Je crois qu'il est en bas là. Aïe! Ce serait pas le chemin pour rentrer, ça? Quelque chose qui est par là. Salut Diro. Ouais. Mais pas en un crédit quoi. Là à mon avis j'ai pas arrivé non plus. Ou non sinon je dis. Fax. T'inquiète, hein. Quoi? La même. Bon, on va retourner voir là-bas. T'énerve pas, toi. Et il est vraiment bien, je vous conseille vraiment. Parce que, en fait, ce qui est génial, c'est que le jeu, il est super maniable. Et, bon. À part, bon, 2-3 trucs sur les sauts ou, tu vois, là, les bords, là. Peut-être que si je. Si je. Ah, quoi que. Ah, ouais, là. Surtout. Pas paniquer, quoi, mais. Là. Mais il est où, ce con? Aïe. Arrêtez, je vous demande de vous arrêter. Super. Mmh.
Oui, je sais. C'est bas. Oui, c'est ça. L'une des différences aussi dans le mode expert, c'est que t'as beaucoup moins de temps. Alors que là, tu vois, en fait... Voilà, tu peux farmer les burgers si tu... Pour être sûr, quoi. On va par là. Ah bah, il est là. Ah ouais. C'est vrai. Perds ma vanne. Et ouais, et là en fait t'es obligé de descendre. Ah oui, et puis là. D'accord. Là, vous pouvez me dire que genre, putain, c'est relou de tout se faire 20 fois. Ah, c'est vraiment le... C'est le jeu, quoi. Et encore les autres, c'est que je les connais à peu près, quoi. Et je connais les chemins à prendre. Mais bon. Plus j'avance sur la fin, bon, je connais. Mais c'est sympa de pouvoir... d'envoyer ces... Ah. D'envoyer dans les 8 directions... Merci. Non, je suis con. Bon. Pardon. Ah
Ah ouais, tiens. Ah, c'est la meuf. Propre. Voilà. Attends, tu te décales. D'accord. Mmh. De quel côté ? C'est comme ça. Ouf. Bon. Ah. What? Par là, ça continue à monter. Oui. Salut Angus, ça va? Putain.
Oh. Ça, c'est très cool. Je suis content, j'ai fini Iron Fury. Juste avant, là. Enfin, le boss de fin, il était épique, mais... En tout cas, ça valait le coup. C'est un super jeu, hein. Apparemment, il est à 16 balles, hein. Franchement. Si t'aimes les vieux shooters... Wow. Alors, celui-ci, c'est Power Blade sur NES. Power Blade! Un action platformer avec un poil de Megaman dans les niveaux, mais après, tu y as juste des power-ups de tirer plus loin, tirer plusieurs coups en même temps, plusieurs boomerangs. Mais il n'y a pas de... Genre, tu bats les boss et tu... Go. Et le méchant, c'est Lénine. Bah c'est pas un des jeux très connus de la NES, mais moi c'est un de mes préférés. Donc, il m'a vraiment fait une « Je vous demande de vous arrêter ». Donc là, mon perso, là, il a tout. Il est à fond. Donc là, c'est pour ça que... Ah. Je vais vous dire, je me souviens de rien. Il ne faudra pas hésiter à... Je sais même plus ce qui se passe là maintenant. Je crois qu'il y a un boss rush. Je sais plus. Alors eux, c'est vraiment des merdes. C'est les pires. D'accord, droit diagonale. Cool. Ah merde. Ah mais je savais pas. Je peux pas avoir plus de 4 rations. D'accord. Et si j'avais su. Donc là c'est la Power Blade. Toi. Oh. Ça passe à travers les murs, hein. De la balle. Et j'hésitais à en faire un d'ailleurs. Un petit tortue. Heureusement que la Power Blade elle est one shot. Hein. C'est Lénine.
Là, c'est marrant parce qu'il y a plein de... Enfin, je crois que c'est à cause de Angry Video Game Nerd et tout, des trucs comme ça. Où le jeu se tape une répute de merde, Teenage Mutant Ninja Turtle, alors que c'est quand même l'un, c'est même l'un des plus beaux, hein, sans rire, de la console. Mais tu te dis, genre... c'est pas pourquoi tant de haine, mais pourquoi de la haine? Dans ce jeu qui est très bien. Il est très bien d'ailleurs. Et puis, bon, il est chaud parce que simplement, si tu veux le finir. En fait, c'est facile d'arriver au dernier niveau, mais le finir en un crédit. Bah, c'est chaud parce qu'il y a un peu de chance. Mais sinon, enfin, je vais dire, un peu de RNG dans un jeu de la NES, moi je trouve. Oui! Alors ça me fait dire que... Puis j'ai vu qu'il y avait une version sur... Open... comment ça s'appelle là? Open au machin là. Street of Fury. Ou machin là. Tu sais, un espèce de... T'es fou toi? Qu'est-ce que tu me fais là? Attends, il est décalé. Le moteur gratos de jeu Oups. Vraiment un peu anticipé. Sinon ça ne touche pas. Ah, le One Credit! Tranquillou! J'y croyais pas, quoi. Avec les deux vies que j'avais perdues dans les deux premiers niveaux, quoi. Et donc, c'est la journée des jeux finis.